Bon, allez, allons-y, je suis absolument pas prêt, c'est une catastrophe. Il y a plein de problèmes depuis que je suis rentré le week-end. Allez hop, on bascule, pas déconner. Bonsoir à tous, nous sommes vendredi 5 avril déjà. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, le PC un peu moins, je sais pas ce qu'il me fait là depuis tout à l'heure. Depuis le début de la semaine en fait, hein, j'ai eu des galères avec... Avec le driver AMD, Windows 11 a décidé d'écraser l'installation du driver comme ça, en pleine journée. Petit bonheur. Une galère pour corriger, donc, et là, depuis tout à l'heure, il m'a fait écran noir alors que je venais de lancer le pre-stream, ça me fait un peu yesh. Donc voilà, ce soir, collecte de log, j'en avais parlé la semaine dernière, ça faisait partie des sujets. Le problème c'est que j'ai pas eu le temps de réinstaller le MinIO correctement, donc on va vraiment faire ça, mais comme des cochons ce soir. L'idée c'est juste de montrer que ça marche, et après, avant je vais quand même parler d'un truc, parce que cette semaine j'ai eu l'occasion de tester un petit truc, vous vous souvenez, il y a quelques semaines, j'ai fait un stream avec un titre un poil putaclic, on va dire, puisqu'on parlait de remplacer Spotify par une solution auto-hébergée. Il y a aussi son pendant pour des services comme Netflix. Et en l'occurrence, le service s'appelle Jellyfin. Enfin, j'ai testé Jellyfin. Pourquoi je l'ai testé? Tout simplement parce que je pouvais l'installer directement sur le NAS via la boutique d'application. Et donc, alors si je vous fais ça comme ça, normalement, il devrait y avoir moyen de basculer. Voilà. Et alors, vous pouvez mettre tous vos médias, hein, évidemment. Moi, l'idée, c'était que je partage une partie de ma bibliothèque de mon NAS avec ma frangine en Bretagne, et sur le nouveau NAS c'est pas encore exposé, enfin voilà, il y a plusieurs choses comme ça qui faisaient que, et donc l'idée c'était de tester aussi une interface de partage de médias comme ça, avec possibilité de lecture à distance, soit via le navigateur, soit via des applications dédiées. Et alors on va pas se mentir, sur le NAS ça marche, mais faut pas être pressé. C'est-à-dire que le remplissage initial de la médiathèque a mis 4 plombes. J'ai tenté aussi lecture de 2-3 fichiers au pif. Le premier fichier que j'essaye, il me dit coucou, transcodage audio obligatoire parce que le mode audio est pas supporté. Bon, pourquoi pas. Ça allait encore au niveau du CPU. On était quand même quasiment sur un cœur complet du NAS pris à 100% pour de l'audio. Pas foufou. Et et du coup, hein, je sais même pas. Oui, c'est bon, la scène fonctionne. Putain, la vache. Et par contre, j'ai tenté une vidéo 4K et alors là, c'était fini. Pourquoi? Parce que Jellyfin certes supporte le transcodage matériel. Alors je sais pas trop où ça va être, voilà, hardware, accélération, mais principalement sur les gros, on va dire, fournisseurs, c'est-à-dire tout ce qui est Intel, Nvidia, AMD, et un mode spécifique pour le Raspberry Pi. Mon NAS n'étant aucune de ces plateformes, je me retrouve avec un processeur ARM avec certes des capacités de décodage matériel, sauf que ça utilise une version modifiée de FFmpeg qui n'est pas dans l'application, puisque il est déployé en tant que conteneur. Et du coup, je peux pas exposer le matériel pour utiliser la version modifiée de FFmpeg pour ça. Donc bon, mitigé, donc si vous l'installez sur votre propre matériel, je vous conseille d'avoir quelque chose, voilà, comme ça à disposition, avec de l'Intel éventuellement, parce que même les Intel intégrés ont des moteurs de décodage audio vidéo qui sont, et d'encodage vidéo qui sont quand même particulièrement solides, que ce soit via du QSV qui est très récent comme interface dans les outillages sous Linux, ou VAAPI qui est la bibliothèque historique pour faire l'accélération vidéo. Parce que franchement, clairement, alors sauf à vouloir faire absolument de la lecture en brut, sans transcodage de quoi que ce soit, en croisant les doigts pour que le lecteur en face supporte tout, on a très vite des problèmes en fonction des formats qu'on utilise. Mais bon, en tout cas, ça marche bien. Au niveau de l'indexation des fichiers pour avoir tout ce qui est jaquette de film, etc., j'ai pas eu trop de problèmes. J'ai 2-3 pains sur des films, mais je me suis rendu compte que j'avais les mêmes pains quand c'était le Raspberry Pi qui indexait, enfin, en l'occurrence Kodi qui m'indexait le truc, donc je pense que ça vient vraiment des noms des fichiers ou des métadonnées où ça colle pas. Je corrige un peu ça, donc ça c'est pas dépendant du... Voilà. Donc voilà, ça marche. Ça marche. A priori, en Bretagne, ils sont contents. Donc je vous invite à l'essayer si vraiment ça vous... Vous commencez à avoir une bibliothèque de fichiers de vacances un peu énervée. Ça peut être sympa pour... Plutôt que de partager directement en brut une interface de NAS, par exemple. Ce que je faisais jusque-là. Donc voilà... J'ai pas de... Non, c'est bizarre, parce que j'ai des micro-coupures au niveau du son, j'ai un peu peur, là. Je vous cache pas. Entre ça, les micro-frises de webcam que j'avais tout à l'heure, là, en préparant. En essayant de comprendre ce qui se passe, bon. Voilà, donc ce soir, il est question de... tabasser des logs. Alors, dans un premier temps, il faut que... je récupère l'accès à Portainer parce que il faut qu'on redéploie le MinIO, parce que je l'avais saqué évidemment. Parce qu'il faut qu'on commence par là avant de se dire qu'on va déployer Loki pour qu'il stocke ses logs dans MinIO. Et une fois qu'on aura déployé Loki, il faudra qu'on aille déployer Promtail aussi derrière, parce qu'à un moment donné, c'est bien beau d'avoir un stockage de logs. C'est bien beau de pouvoir les voir, mais si on ne peut pas les collecter, c'est un peu bête. Du coup, donc on va dans l'environnement local, on va aller dans une stack. Est-ce que j'ai encore... Est-ce que j'ai fait quelque chose ? Je me souviens plus où j'avais mis le fichier pour MinIO. Ok, il est là. Ok, donc du coup... un truc comme ça, je me souviens plus. Hop, parce que je crois que le 9000 est occupé, la console en 9003, le mot de passe de ouf, qu'on va copier tout de suite, et voilà, on va quand même juste revérifier, alors par contre, check un truc, hop, vite fait, faire le ménage au niveau du dossier Docker, Ouais, c'est ça, j'ai déjà un dossier MinIO data, donc on va le tège. Hop. Voilà. Et comme ça, ça devrait le faire. Ok, ça c'est beaucoup trop. Tac, tac, tac. Hop là. Oh tiens, j'ai pas fait attention au passage. Donc ça devait être juste avant que je lance. C'est pas possible. J'ai deux nouveaux followers. Merci à vous, Damso et Anaras. Donc on disait, on a récupéré. Hop, faire ça. On va y aller en mode cochon, hein, tant pis. Stack MinIO. Hop, on colle le contenu du fichier. On va pas se... Tac tac, access control, administrator, parfait. Environnement de variable, on n'en a pas besoin. Normalement, il faudrait passer par là pour gérer ces trucs-là. Mais, comme disait Faflarage, j'ai pas le temps, faut y aller. Hop, allez. On parle de la bonne référence de vieux, tiens. J'entends gratter à côté, c'est que le NAS a dû commencer à télécharger l'image. Ouais, ça décompresse fort même, je dirais. Tac, tac, tac. Donc ça, c'est bon. Ça, je reviens là. Voilà, il me dit qu'il a déployé la stack. Et... Je sais plus. C'est... Alors, point 168, point, point. 9003, on a dit 9002. 9003. 9003, voilà. Hop, on fait ça. On se logine. Plus tard. Alors, on a quoi? Pouf. On a dit policies, identity. Ouais, on a les trucs vite fait à faire. On a des policies console admin, diagnostic, read write et read only. Donc on a déjà une politique, mais qui est pour tout le monde. Donc nous, on va devoir créer une politique juste pour le bucket. Alors on va créer un premier bucket, on va l'appeler Loki Storage. Un valid name, parce qu'il va vouloir que des tirets. Voilà, évidemment. Versioning, non. Object locking, non. Quota, non. On s'en bat les... Voilà. Ensuite, on a quoi? Le bucket, on fait ça. Access... Policies, on a une policy read-write. Ouais, mais non, là on revient sur les policies globales en fait, donc ça m'intéresse pas. Donc on va faire ça. Alors, on va... Est-ce que... Ouais, je vais faire ça. La row policy, puisque manifestement, quand on veut créer une politique, il faut la créer en mode brut. Alors, mais... Loki log. Hop, on va faire ça. Ça, S3, 2 points. Alors, il me semble qu'il faut faire le storage, 2 points. Un truc comme ça. Non, alors, non, les actions, c'est S3 étoile. Donc là, c'est lecture, écriture. Voilà, et c'est là où on a besoin, je crois... du format, je me souviens plus. Alors. On va voir le truc. On va voir la doc. Hein. Après tout, il y a une doc. On va pas s'emmerder. Alors, non, ça, c'est les actions. On s'en fout. Hop. Tout ça, c'est toutes les actions possibles. C'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est... Non. Non plus. Comment je peux faire? C'est quoi? C'est sûr. Hop. tous les coups, ça va être... c'est sur le... Policy variable, non, référeur, tout ça, source ID, c'est pas ça. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. My bucket, parfait. S3, 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 Voilà, c'est ça. Donc c'est Loki-storage, étoile. Donc on va faire ça. Le user, on va l'appeler Loki. Le mot de passe, je sais pas si on a besoin d'en mettre. Assign policy, on lui met Loki log. Bah ici, on a quand même besoin de mettre un... Hop, un mot de passe. La policy, elle est là. On va créer une access key. Expiry, on n'en met pas. La name, on va mettre Promtail export, un truc comme ça. On s'en fout. Description, on n'en met pas. Machin, etc. Alors, il faut qu'on se les mette de côté. Hop. Hop. Secret key. Clac. Alors, on s'en fout de la montrer puisque de toute façon, elle survivra pas à ce soir. Restrict beyond user policy, non, on s'en fout. Ok, donc là il me les a créés, tout va bien. On peut faire download pour import, donc on a droit à un JSON. Bon, on va le faire le JSON quand même. Hop, on va récupérer le JSON. Ok, donc là on a un truc, on a une access key normalement qui devrait pas tarder à apparaître là s'il se met bien. Voilà, parfait. Donc là normalement on a un utilisateur. Alors par contre c'est au niveau du bucket je crois. Je sais plus, est-ce qu'on a quelque chose de... Non, c'est bon, c'est juste qu'on a le... On a le rôle de l'utilisateur sur le bucket. Voilà. Donc, prochaine étape, ça va être quoi? Est-ce qu'on teste ce credential-là? Je sais qu'on a un MinIO client. Est-ce que MinIO console? Non. Est-ce qu'on a un truc software développeur non plus? MinIO client, voilà. On a un client qui s'appelle MC. Alors, est-ce que j'ai ce truc-là qui traîne? Bon, on va se l'installer en local, on va voir ce qui se passe. S'il y en a un, effectivement. Hop, on va faire un. On installe MinIO et... Ok, d'accord. Ah non, mais c'est MinIO complet, moi j'ai juste besoin du client, il est gentil lui. Ouais, voilà, on va faire ça à la place, hein, plutôt. On installe MinIO. Ah, t'es gentil. Plugin. Ça va être quoi? Remove. MinIO. Ok. Ok, j'ai rajouté ça. Du coup, j'ai des gros doigts. Ok. Je crois que ça marche hein, si je fais ça. Hop. Ok, donc on a le MC, du coup. Alors, comment je fais MC- Ah non. Et vous, vous me voyez encore, mais non, ça y est, là j'ai tout qu'à planter. Alors j'ai récupéré la main, allô. J'ai tout récupéré, manifestement il n'y a rien qu'à planter. D'accord, j'ai encore eu un gros freeze. Putain, c'est ouf, je les avais pas tout à l'heure, hein, c'est encore... Hein. Pourquoi il a décidé de me péter une pendule ce soir? Du coup, comment on peut faire? Alors, version, on a quoi? Non. Voilà. Alors, du coup, si je veux put un object, ok, je veux tenter d'écrire un objet à partir de mon... Comment? À partir de mon fichier... Alors, comment je peux faire, par contre, pour utiliser... Comment je fais? J'utilise mon JSON à moi. D'accord. Ah oui, d'accord, ok. Donc là, on fait qu'il faut mettre l'URL du machin, l'access key, la secret key. Ok. Donc on va faire ça. Donc on va faire un MC alias 7 MinIO. Je pense pas que ce soit comme ça. Donc du coup http:// tac copier. Ensuite il nous dit l'access key, la secret key. Alors l'access key on l'a à côté, elle est là. Hop, la secret key, elle est là. Là, il va gueuler. Alors, il va me dire que je peux pas utiliser le... Je peux pas utiliser le port. Ah non, parce que c'est l'API port, donc du coup c'est pas 9002 ou 9003. Qui... Putain, je sais déjà plus ce qu'on a mis dans les ports. On a mis le 9002, donc c'est le 9002 qu'il faut que je mette. Le 9003, c'est la console, effectivement. Voilà, donc là je fais MC, c'est quoi le truc qu'il a dit pour tester? MC, alors admin ça marchera pas. Parce que je n'ai pas l'accès... Voilà, j'ai pas d'access denied. Si je fais un MC... alors non, c'est MC... putain, ça y est, je sais déjà plus. Voilà, donc ça va être là-dedans. Ensuite... Non. Command to download object. Non, je veux pas download, je veux list. Comment je fais? C'est très original ça. MC, LS, et on a dit Loki-storage. Ça va pas être ça, il n'y a rien dedans. Ok. MC put. On va faire quoi? On va mettre le pong.b64. On va le tester comme ça. Loki, storage. Oh, ça va être ça. Oui, non, c'est normal. Hop. Target is not S3. Il se fout de ma gueule ou... Ah oui, non, parce qu'il faut que je... Oui. Je l'ai appelé MinIO. Si je veux putain truc. Ouais, c'est ça. Hop. Ah ah. Donc ça ne marche pas. Merde, ah, ça commence bien, tiens. Ça commence bien. Loki storage. Pourtant, je me suis connecté avec la clé qui a le get machin. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah. Alors, j'ai pas d'user qui accède au truc. Comment c'est possible? Oh merde. Ah. Alors c'est là où je comprends pas, il y a des policies des users, mais il prend pas en compte ma policy Loki-storage. Alors ça j'ai merdé un truc déjà. Enfin, je m'en doutais que j'aurais dû me préparer avant, hein, parce que franchement, ça sent encore le fail, ou alors je fais gros dégueulasse et je crée une clé sur mon compte à moi et on n'en parle plus pour ce soir. Je pense qu'on va faire ça pour faire les gros ports. On va mettre le bucket en public, histoire de faire ça comme des gros schlags. Non, quoique, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Non, on va faire juste. Ah oui, mais là, l'access key. Alors là, il me dit qu'il n'y en a pas. On recommence. Oui, c'est là, d'accord. Là, il y a une access key pour le compte. Bon, si on crée une access key là, bon, on va faire ça. On va se prendre ça. On va faire ça et on va reprendre. Hop. Ah oui. Hop, c'est mieux avec le bon truc. MC admin. Attends, c'était quoi le admin info là? Dans la doc. Voilà, mieux avec les bons caractères. MC admin info MinIO. Ok. Là cette fois ça marche. Donc normalement, si je refais le put. Là, ça marche. Ok, bon, bah, voilà. On va utiliser ces trucs-là pour ce soir. Et donc là, si je retourne dans la console, je vais dans l'objet storage. Coucou, j'ai un objet. Voilà, comme ça, c'est fait. On n'en parle plus. Qu'est-ce que je voulais faire Ensuite, on a dit, du coup, Loki, parce qu'après tout, on est là pour ça. Je vais le déployer dans Kubernetes pour ce soir, on va pas s'emmerder. On va faire ça. Grafana Loki, d'accord, c'est un objet, un outil de Grafana. Tac, 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 ok, oui, bonjour, getting started, c'est ce qui m'intéresse. Alors, non, surtout pas traduire, pitié. On en aura le bol. Alors, il nous dit quoi? Docker, Docker compose, on peut pas le déployer... Comment ça? Deployment mode. Pitié. Donc c'est pas ça. On n'a pas, on peut pas le déployer via Kubernetes. C'est nouveau ça. Ils sont sérieux hein. Là, on a un Loki stack, d'accord. Donc là, il déploie Loki et Promtail, c'est ce qu'on veut. Bah, c'est parfait. On va faire ça, hein. On va pas s'embêter. Alors, comme d'habitude, qu'est-ce qu'on fait? On s'ajoute ça. On se le fait comme ça. Donc, on a un Grafana. Il a updaté, oui, tout ce que j'avais déjà au niveau de Helm. Parfait. Du coup, de quoi on a besoin? Alors, pour une raison que j'ignore, il me dit qu'il a besoin de Prometheus. Ah, si Prometheus est enabled, ok. D'accord. D'accord, d'accord. Donc, comme d'hab, à chaque fois qu'on fait un truc avec Helm, on va déjà commencer par... Hop. On va faire ça. Mkdir Loki Stack, puisque c'est Loki Stack. On va dedans. Ensuite, on se fait un micro readme. Ouais, on va faire ça, je crois. Non, il n'est pas installé. Oui, d'accord, oui, c'est pas grave. Hop. Hop. Pouf. Pouf. Hop. Donc après c'est Loki, Grafana / Loki Stack, -f. Hop. On va l'appeler Loki Values, je pense. .yml. Namespace, on va l'appeler Loki. Create namespace. Hop. Ensuite, parce qu'on va avoir besoin des secrets en plus. Alors, si on peut le faire avec FluentBit aussi. Bon, on va utiliser Promtail. A priori, il fait le boulot. Ouais, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Non, ça c'est pour Grafana. Ok, contain the pré-configure de Grafana. Use set Grafana enabled at true. Parfait, moi ça m'intéresse. To access the Grafana UI. Ensuite, on fait un kubectl port forward. D'accord. Bon, on fera peut-être un truc un peu plus énervé. On verra. Tac, tac, tac. Pour les versions, provide support for configurable data source URL. On s'en fout. Allez, hop. Le fichier. Oh, ça va. Oh oui, ça va très bien. Oh, il me plaît bien. Il me plaît bien, il n'y a pas grand chose dedans. C'est impeccable. Alors, je sais pas pourquoi on a un test pod. Bon, on verra. On va peut-être se le garder. Alors, ensuite. Le fichier de values. Alors, on n'a pas de proxy, on s'en fout. Le test pod, bon, on va se le mettre, on verra bien. Juste comme ça. Loki, oui. Is default, oui. Hop, ensuite loki.servicename loki.port. Ok, je sais pas pourquoi il y a des includes parce qu'on les a pas là. Des liveness, des readiness, c'est parfait. Le promtail, c'est ce qu'on veut. Ensuite, l'URL, il prend le port de Loki, ça me va très bien. FluentBit, on n'en a pas besoin. Le Grafana, on le met à trou. Sidecar data source, donc ça c'est si on veut. Alors est-ce que... Alors déjà, on va virer ça. On va virer tout ce dont on n'a pas besoin. Je vais garder ça pour l'instant. Le Prometheus on ne le déploie pas, donc hop. Le filebit on ne le déploie pas. Le logstash on ne déploie pas, c'est cool parce qu'en fait ça supporte plusieurs outils de collecte si vous avez envie d'avoir des outils plus ou moins et des proxys balèques. Liveness, readiness, on va garder les valeurs par défaut et en fait c'est tout ce qui est data source. Non, data source, JSON data, UID, ça j'y touche pas. On va le laisser comme ça. Ensuite, non, il donne juste ça. D'accord. Donc manifestement, on a moyen de... Alors, je vais quand même aller voir la gueule du template. C'est quoi ça? Data source, config map, Loki stack, Grafana sidecar data, machin, héritage, d'accord. Ok, data source, putain. Ok, d'accord, il crée automatiquement. Alors c'est quoi le truc? C'est si on crée le Grafana sidecar data source enabled. Ok. Label value enable, label value max line 1000, d'accord. Et en fait, il crée automatiquement la data source pour Loki. Bon, bah, j'ai envie de dire, let's go, hein. On va pas s'embêter. Hop, allez. Le readme, je sais pas que ça va faire. Hop. C'est parti. Et on va aller voir la gueule de KNFS. J'ai pas mis de volume, j'ai pas configuré le stockage. Ça sert à quoi de dire qu'on va utiliser un stockage avec... Je suis... boulé. En même temps, est-ce qu'il y avait quelque chose de paramétré? Parce que là, dans le chart, en fait, dans le chart, il va chercher quoi? Il va chercher... Loki. Loki enabled, repository, Grafana mchart. Ah oui, donc là, il faut que j'aille voir le Loki tout court. Et en fait, c'est là-dedans. Et du coup, le chart est là. D'accord. Et ouais, c'est là où j'aurais dû... Quel enfer. J'ai fait quoi, du coup? Je suis allé peut-être un peu trop vite. Persistante, il m'a fait quoi? Volume clay enable de true, data volume paramètre, mtdir. Ok, donc à tous les coups, storage class nul. Ouf. À tous les coups, ça va être Bagdad. Hein. On va voir. Alors, les Promtail ont démarré. Ok. Et je parie qu'il m'a créé. Il n'a pas créé de volume? D'accord. Bon. Ok. Oh, c'est... On est bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? On a des databases locked, on a des erreurs, deprecated source. Waouh, là on a des gros trucs. Connection refuse, ouais. Warning, retry after connection broken. Oh, ça a l'air de marcher bien. Ceci dit, ça dit rien de plus depuis 2 secondes, parce que potentiellement, les trucs n'étaient pas... Ok, qu'est-ce qu'il nous dit? On se prend des erreurs 400. Donc manifestement... Alors, c'est quoi ce délire? 19h50? Ouais, c'est ça. Donc là, pour le coup... 400, bad request, entry for stream, machin, etc. Alors, c'est quoi le... Merde. Qu'est-ce qu'il a? Quoi, il y a des erreurs? Timestamp to hold. Only acceptable timestamp. D'accord, donc il y a des... D'accord, j'ai des problèmes de timestamp, c'est bizarre. Il me dit que... Oula! Ah là! Ouh, ah oui, on a des délires avec le... Ah non, c'est qu'il essaye de... D'accord, il a essayé de loger des logs qui étaient trop vieux, donc il n'a pas voulu ingérer les logs, les anciens logs des conteneurs. Ok. Donc potentiellement, tout va bien. Lui, il a juste mis un temps de dingue à démarrer, et après, maintenant, il nous dit « Coucou, recovery ». Loki member list, il n'y en a pas. T'es tout seul. Ok. Donc là, il est en train de se mettre, bien sur quoi? Sur tous les index, ouais, c'est ça. Ok. Ok, ok. Du coup, est-ce qu'on a d'autres trucs? Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on a dit qu'on avait activé dans le chart l'espèce de petit... Le test pod, là, il est enabled et en fait, il ne l'a pas déployé. Du coup. Alors, on refixe. J'ai un service Loki, Grafana. Ok, un Loki Endless et un Loki Memberlist. Ok, donc... Quoique le Loki, il a que les trucs métriques. Alors... On peut vraiment que checker les logs. On va faire ce qui dit dans la doc et on va commencer à regarder. Non, en vrai déjà, j'aimerais bien, gérer le stockage. Alors, ce qui m'emmerde, c'est que... Ok, donc a priori j'ai des config maps. Alors. Ah oui, d'accord. Putain, c'est limité. Très limité. Ok. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais... Le problème, c'est que j'ai le type de conf sous les yeux, mais à mon avis, il va falloir que je pousse quelque chose d'un peu plus énervé dans le Loki Values. Parce qu'en gros, là, ici... il faut que je rajoute... il faut que je rajoute tout, c'est-à-dire que le truc est dans le... Loki, il est là. Ouais, c'est ça, il est au même niveau. Hein. Ouais, il est au même niveau. Mais en fait, il faut que je force... A priori, il faut que je force la config. Il faut que je fasse un config. Et derrière, j'ai un truc avec... storage config, là. J'ai un values Loki storage config, donc là il faut que j'aille voir le values du chart. Alors, storage c'est là, c'est storage S3. Donc j'ai tout ça à... paramétrer. J'étais peut-être un peu trop ambitieux pour le faire un peu comme ça sans préparation. Non, c'est pas ça, j'avais dit que c'était... Ah oui, alors ça c'est si on le fait dans, si on met le truc config tout court, mais on peut aussi utiliser le truc storage là avec le S3 ici. Secret key, access key. Alors, c'est ça qui m'intéresse. Ouais, là j'ai toute la conf en fait. Ça, c'est ce qu'il me fallait. Alors le bucket machin, etc. C'est le S, c'est juste le truc en storage S3. Par contre, il faut que je le préfixe. Il faut que je le préfixe. Non. Je vais vérifier quand même parce que normalement, non, ok, non plus. Bon merde, merci. Voilà, tout ça, c'est censé aller dans une espèce de clé globale qui correspond au nom du chart dans Loki Stack, dans les requirements, qui s'appelle Loki. Donc en fait, toutes les variables que je veux pour Loki doivent être dans Loki. Et donc en fait, c'est tout ça qu'il faut mettre là, et il faut, que je vire type S3, d'accord, donc en fait il y a un double truc dégueulasse à faire. Il faut que je mette l'URL du .192.168.68.201. 2 points, on a dit c'était 9002. Hop. Alors déjà, il faut que je mette les c'est là où ça va être dégueulasse. C'est-à-dire qu'il faut que je remette ça. Deux points. At. Je sais pas s'il va aller, hein. Alors c'est là où j'ai du mal à comprendre le délire. Alors j'ai... Oh là là, oh là là, oh là là. Hop. Ça va être quelque chose... Est-ce que... Non. Ok. Toujours pas. Région, on s'en balait que de toute façon... Ah oui, si. Alors, comme ça, on est en mode compatibilité. Voilà, on va mettre ça. Région. Hop. Secret access key. Merde, je l'avais juste au-dessus. Hop. Voilà. Access key ID. Hop. Signature version. Alors là. Chien. Le force pass style true, oui, parce que sinon c'est la grouille. Et le endpoint, bah normalement c'est le même que celui-là. Hein. Il me semble que c'est ça hein, qu'il faut mettre. Ok. Du coup, on va faire ça. Hop, on upgrade. Et là, ça va être l'enfer. Je suis où? Je suis là. Ah non mais là c'est Grafana qui redémarre. Il me force le redémarrage de Grafana mais pas de... Pas de Loki. Ah ah. Mais du coup il a fait quelque chose pour... Non il a rien changé. Donc ça serait pas passé. Alors, du coup, on va faire un truc. Donc là déjà je suis censé avoir un template de pod, mais lui on le voit pas. Déjà moi ça me... Ensuite on a le Grafana test. Là, le stockage, il me l'a mis en empty dire. D'accord, ça commence bien. Là, c'est tout le bazar Grafana. Ça, c'est Promtail, donc lui, il est parti pour aller chercher les logs, varlog pod, varlog, docker, container, machin, ok. Le run Promtail, donc là, jusque-là, tout va bien. C'est un daemon set. Le service, le member list, donc d'accord. Donc en fait, il est censé me rajouter de la conf. Donc j'ai dû merder un truc quelque part, hein. Ce qui me surprend pas du tout, on va pas se mentir. Par contre, on a quand même un sacré paquet de trucs. Ah, mais c'est du secret, ça, d'accord. Bon, qu'est-ce que j'ai merdé? Est-ce que ça va être un Loki.Loki? C'est quoi le délire? Non, bah non, parce qu'on avait vu que le... Ah, config storage, putain, il y a un niveau de plus. Ah, punaise. Ok, donc du coup... Donc a priori, comme ça, ça devrait marcher. J'aurais dû faire le template avant, un bourrin, mais... Ouais, là il a rien pris, donc c'est qu'a priori il s'est rien passé. Par contre, ce qui est ouf, c'est qu'on est censé avoir des pods, mais ils apparaissent pas. Dans le chart, on a des pods, mais... Mais alors du coup, ce storage machin, il est censé arriver où? Parce que je l'ai pris, mais... Storage.S3, on va l'appeler comme ça. Oh, le helper, il va faire 4 km de long, c'est ça? Ah putain, oui. Et voilà. Donc il est censé créer... Bon là on a un MinIO enabled. Ah, peut-être que ça marcherait mieux. Alors si on retourne sur le values. Non, ça c'est pour le déployer. Ouais, donc c'est encore autre chose. Oh, c'est la souffrance. En même temps, je partais pas confiant hein, avec le bordel de ce soir. Et ceci dit, quand même, ça me fait un peu chier. Oh putain. C'est dans global. Alors... cette histoire déjà. J'y crois pas de le faire comme ça. Je sais pas pourquoi. J'y crois zéro. Je fasse comme ça pour celui-là. Ah, ok, ok, ok. Mais du coup... J'ai pas mis le storage type, je suis con. Je l'ai viré. Oh, le boulet! C'est pas possible. On a vraiment... Alors du coup, il est où dans celui-là? Il est au même niveau que... D'accord. Non, c'est storage. Ok, donc c'est... Type de point S3. Toujours pas. Ah, il se fout de ma gueule ou... Alors là j'ai un common storage, d'accord. Donc là j'en ai qu'un. Du coup, il est pas là. Il va être dans quoi alors? Vas-y, tu sais quoi? On va aller cloner tout ça. Allez, tu sais le faire. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que c'est encore à côté? Encore un autre truc qui va pas. Ah, mais dis donc, il y a un qui va ce soir, c'est incroyable. C'est sa gueule, là. Oh putain. Oh bah oui. Oh bah oui. Alors déjà. Alors déjà je suis pas sûr qu'il y ait un... Il y avait un config ou pas? Je me souviens plus dans le... Non, on est directement dans global, donc en fait le config il s'appelle pas config, il s'appelle Loki. En fait il y a deux Loki à mettre et... Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Oui, est-ce que c'est ça? Non. Plus. Je sais pas où il est censé me les mettre, ces configs là. Plus. À moins que comme il me les met en secret. Là, il n'y a rien qui va en plus. Bon. Clairement, j'ai sous-estimé la difficulté du bordel. Ou alors, c'est peut-être le fait que je veux le déployer dans Kubernetes. On va encore me sortir ça à tous les coups. Je le sens bien. Il y a quand même un truc qui m'intrigue, hein, c'est que dans le chart, à la fin, là, on a quand même des pods qui sont là. Donc, il est censé me les déployer, ceux-là. Ah non, test success. Ah. Alors, je ne sais pas. Et là, si je fais ça... Ouais, en fait, je dois mal renseigner les variables parce qu'en fait, il me prend pas en compte le... D'accord, donc déjà, la conf, il me la met dans un secret, hein, ce qui m'enchante moyen. Et en fait, il me configure pas. Tu es dans le storage config, il me rajoute pas le bucket S3. Et normalement, en fait, dans le... quand on est dans le chart comme ça, le child, vu qu'il s'appelle Loki, toutes les variables que je dois lui passer dans le values doivent être dans une section Loki. Et là, on a une section globale. Et merde, attends, c'est une section globale, et après... Storage. Non, c'est global storage direct, là, attends. Ouais, donc non, normalement, on n'a pas ça, en fait. Ah ouais, mais le problème, c'est que je le verrai pas dans le secret. Hein. Voilà. Ça y est, j'ai tout cassé. Ah, c'est bon, je récupère la main. Non, il veut pas, hein. Il veut pas me le mettre. Il veut pas me créer la conf. Bon. Bon. Alors, soit je suis... Je suis vraiment con, hein. De toute façon, ça, je me... Vous l'entendez assez souvent, hein, ces derniers mois. Bon. Ça veut dire qu'il faut aller dans le secret. Dans le fichier secret, alors du coup. Ça va être là. Ça, c'est la licence. Le calculated config. Ça, c'est encore un truc du helper. Il est là. Define calculated config. C'est que le config il est là, il est un peu... Ah. On va tout est dans global de toute façon. Ouais, il va falloir relire tout le code, vous savez quoi, faut que je me repave l'intégralité du chart, du values là, du helper, du... faut que je relise tout. On va pas se mentir, ça sent l'échec critique pour ce soir, je vais pas me... Parce que là il est déjà 22h35, je commence à avoir les yeux qui piquent. Donc ça va être... C'est encore un stream échec, c'est un bonheur. Le demi-échec pour créer le token utilisateur pour qu'il ait le droit d'écrire dans un seul bucket. On a l'échec du... Alors pas forcément l'échec du déploiement. Si ça, le seul truc que j'ai pas été voir, entre guillemets, c'est si, en l'état, même avec les volumes en mtdir, le Loki, lui, il ingère déjà des logs. Normalement. Donc, en fait... Alors, comment... C'est quoi déjà... Ah oui, get... C'était... Loki-Grafana. N Loki. Alors, ok, donc, hop, c'était la porte, deploy, ok, c'était la porte forward, deploy slash loki-grafana, qu'est-ce qu'il dit déjà? Je me souviens plus. Ah non, mais le service, pardon. Pas le deploy, le service, effectivement. Hop. Ah oui, j'ai pris un raccourci en fait. Hein. Hop. Alors, il nous dit que le truc est censé être préconfiguré. On va regarder. Hein. Ouais. Ah si, ok. Ouais, alors du coup, voyons voir vite fait comment on peut... Non mais ça c'est déjà fait. Comment je peux voir vite fait la gueule des logs? Ah. Ok, d'accord, donc a priori il voit des trucs. Sinon j'aurais pas les noms des namespaces, intéressant. Ah, Loki, hein, de toute façon, après tout. Vas-y, run query pour voir. Tada! Ok, bon voilà. Ok, donc ça, il sait collecter les choses. C'est juste que pour l'instant, j'ai pas réussi à savoir les stocker, entre guillemets. Ce qui m'emmerde aussi, c'est qu'on a, pas mal de messages d'erreur. Alors du coup... Oula, ah oui d'accord, il m'affiche les plus récents en premier, d'accord. Et... Ok, on a le nom du fichier, on a le job, on a le namespace, on a le node, on a le pod, on sait que c'est sur du... Pardon, level info, stdr. Ouais, vous êtes gentils, vous. Génial, quand on va faire des stats après. Il a quand même gueulé un petit peu sur le log volume, je sais pourquoi, mais c'est pas grave. En tout cas, on a quand même... Voilà, les logs, ça change rien. Donc c'est pas mal. Si on change, qu'est-ce qu'on a dans les logs qui pourra traîner? Est-ce que là-dedans j'ai... Si je fais ça... Ouh, too many outstanding requests. Ok. Donc là ça lui plaît pas. Dans Yeti, qu'est-ce qu'il a? Donc il n'y a rien, c'est normal, le truc il donne, il log absolument rien. Un autre aussi qui devrait loguer quelque chose que j'ai pas encore, c'est Traefik. Traefik, je ne l'ai pas configuré pour qu'il me sorte les logs d'accès à tout, en fait, tout simplement. Donc, c'est pas grave. Ah, non, vas-y, cancel. Est-ce que Calico, il a quelque chose à dire? Oui, Calico, il nous dit qu'il y a trop de choses. C'est un peu chelou, mais... Bon, pff, ok, si je mets dans Instant, allez hop, ok, voilà. Ok, j'ai quand même mes logs. Voilà. Donc, bah, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Un PKMCC nous dit warning, removing unwanted IP from VXLAN. Ouais. Ah mais elle me rappelle quelque chose cette IP là. Ok, d'accord. Donc il y a un délire là-dessus. Ok, je note. En fait, je vois apparaître cette adresse IP là, je ne sais pas pourquoi elle est là, hein, mais je vois cette IP apparaître quand j'accède au Jellyfin depuis l'extérieur, parce que j'ai fait comme pour mon NAS où j'ai mis une ingress route avec un endpoint dans Kubernetes. Mais le problème, c'est que je ne sais pas pourquoi il me met cette IP un peu chelou, la 169.254. Je me suis pas plus posé la question que ça, mais je... D'accord. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que ça vient de là. D'accord. Bon, voilà. En tout cas, voilà, vous avez un exemple de fonctionnement. Alors, le problème, c'est qu'il faudrait que ce soit plus... un petit peu plus bossé que ça, mais il faut que je me replonge dans la doc pour savoir pourquoi, dans le chart, pour savoir pourquoi j'arrive pas à configurer le stockage du MinIO. Au niveau de MinIO, il faut que j'essaye de comprendre pourquoi il n'a pas voulu utiliser mon token utilisateur pour pouvoir écrire dans le bucket avec un utilisateur qui a les droits que sur ce bucket là. Parce que là, j'y suis allé comme un cochon, j'ai mis le token admin pour tester et ça fonctionne. Évidemment, hein, quelle surprise. Donc du coup, il va falloir que je... Ouais. Il va falloir que je potasse le sujet. On est donc sur un double demi-échec. C'est un bonheur, hein. C'est... Je vais parler de demi-échec parce que bon, hein, on va pas se mentir, ça aurait pu être pire, hein, il aurait pu ne pas démarrer non plus. Hein. J'ai eu ce genre de surprise chez un client en essayant de déployer du MongoDB en cluster. J'ai testé 3 méthodes différentes. J'avais 3 erreurs différentes, mais aucun MongoDB en cluster n'a voulu démarrer au final. On a pris la décision de le démarrer en standalone avec juste un volume régional, parce qu'on s'est dit que ça passerait. Et sauf qu'entre-temps, ils ont commencé à développer l'usage du MinIO, ce qui fait enfin, du MongoDB, ce qui fait qu'en fait le déploiement pour moi est pas 100% optimal, mais j'ai jamais réussi à faire fonctionner. J'ai utilisé le chart communautaire qui est censé pouvoir le faire. J'ai utilisé le chart, comment il s'appelle, les gars qui font plein de trucs autour de Cube, Bitnami. Les charts Bitnami. J'ai tenté des méthodes un peu plus maison entre guillemets. Ça marchait pas. Il y en a aucune qui marchait. Donc voilà. Bon là au moins. De toute façon, j'ai pas prévu de déployer un truc en mode ultra haute dispo, machin, etc. Idéalement, j'aimerais avoir le truc en dehors du cluster, mais bon, on va pas se mentir. Alors, configurer la source Loki à la main, c'est facile. Vrai, c'est facile. Donc en vrai, je pourrais avoir le Grafana en dehors du... Le Grafana et le Loki en dehors du cluster. Et garder que Promtail qui est configuré pour envoyer dans un Loki externe. Je me garde ça pour plus tard, ouais, on va faire comme ça. Sur ce, hop là, on va revenir là-dessus. Voilà pour ce soir. Compliqué, hein. On va pas se mentir, y aller sans préparation, on sent que c'est quand même un peu... Et surtout avec un niveau de fatigue. C'est pour ça que je me dis vraiment qu'à un moment donné, je vais peut-être changer de... créneau, parce que là, arriver en fin de semaine comme ça, un peu sur les genoux, c'est pas évident. Sans parler qu'encore une fois, il n'y a pas beaucoup de monde qui passe. Le replay, normalement, demain sur YouTube. On devrait pas y avoir de blocage particulier là-dessus. Alors, à quelle heure ça, comme d'habitude, hein, ce sera peut-être plutôt dans l'après-midi que le matin. Ne serait-ce que parce que moi, je passe pas en priorité quand je upload une vidéo. Alors déjà, j'ai des débits. YouTube a tendance à briller quand même les débits fortement, ce qui fait que ça met un certain temps à uploader la vidéo. Et une fois qu'elle est uploadée, elle met plusieurs heures à être traitée dans toutes les définitions. Donc c'est pour ça que souvent, ça pousse plutôt le lundi, enfin plutôt l'après-midi que le matin, parce que j'envoie le matin et c'est vraiment la galère sinon. Voilà, sur ce, je désespère pas, hein. je vais... Le problème c'est que ce week-end j'ai pas énormément de temps à y consacrer, alors je sais pas trop si j'aurai le temps de me pencher sur le sujet, parce qu'au départ j'avais dit que je continuerais le déploiement de MinIO sur Portainer via l'API, et au final j'ai pas réussi à me repencher dessus non plus, donc c'est un petit peu délicat. Du coup je sais pas ce qu'on fera la semaine prochaine, vu qu'on a j'ai un million d'idées évidemment. J'ai quand même envie d'essayer de repartir sur quelque chose de, on va dire, de plus terre à terre. Parce que typiquement on s'est amusé à faire J'ai bien une idée, mais avec la gueule de la stabilité du PC en ce moment, j'ai peur. Ça fait plusieurs mois que j'ai vu passer un outil pour tester des IA génératives qui est fait par ASRock, qui permet justement de se garantir qu'on va pouvoir exploiter la carte graphique. Après tout, j'ai quand même craqué 900 balles dans une carte graphique, c'est pas juste pour faire des streams sur Twitch. En tout cas pas pour faire des streams où je bidouille de la ligne de commande, mais du coup peut-être que ouais, je tenterai bien ça. J'ai un peu peur, on va pas se mentir, parce que bourrer la carte graphique pendant que je suis en train de stream, je l'ai jamais fait, donc en vrai dans la pratique je sais pas trop ce que ça peut donner. Tiens, un truc que j'ai pas regardé, c'est la console de la carte graphique quand je stream. Et on est à 70 watts. Donc c'est vraiment c'est vraiment de l'arnaque, c'est pas possible. Ah punaise, je vous jure. Ouais, et pour ceux qui n'ont pas vu passer sur Twitter, je me suis rendu compte que ma carte graphique consommait énormément au repos. Et il s'avère qu'AMD n'a toujours pas corrigé un bug depuis la sortie de la carte, qui est que, en fonction des configurations double écran, voire triple écran que vous avez, et ben en fait la fréquence de la RAM ne redescend pas, ce qui fait que la carte graphique consomme à balle pour rien, et j'ai trouvé la solution en branchant le deuxième écran sur la carte mère. Parce que maintenant avec les Ryzen récents on a aussi du GPU intégré au processeur, du coup ils mettent des ports sur la carte mère. Et donc, et Windows s'en sort très bien avec le pilote. Coucou en speed, bah t'arrives à la fin. T'arrives à la fin sur un demi-échec, c'est-à-dire que j'ai le MinIO, ça c'est, alors le déploiement, ça s'est passé comme la semaine dernière, mais la gestion des tokens, ça a été un demi-échec. Et le déploiement de Loki, ça a été un demi-échec aussi, dans la mesure où j'arrive pas à configurer le stockage. Pour qu'il aille enregistrer dans MinIO, et il continue de me garder le volume local, ce qui m'emmerde un petit peu. Donc là j'ai un peu abandonné l'affaire, et c'est cool quand même de passer du coup ça y est, mon cerveau, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, la consommation de la carte graphique. Donc j'ai testé en débranchant l'écran secondaire et en branchant sur la carte mère. Et je suis passé de 90 à 25 watts. Voilà. Comment dire? AMD, ils l'ont su à la sortie dès que les premiers tests sont tombés. Soi-disant, ils avaient corrigé le problème. Ils l'ont pas corrigé pour tout le monde. Moi, j'ai tenté 2-3 trucs à changer des résolutions, des choses comme ça. Ça n'a pas marché. Du coup, j'ai lâché l'affaire. J'ai trouvé... Bah honnêtement là 20 watts ou même là je suis à, j'ai dit combien, 50 watts de conso, 50 watts de conso en train de stream, honnêtement ça va. C'est juste que là, le truc de double écran qui me consomme 90 watts, quand j'avais un peu zappé cette histoire-là, et ça fait mal en fait, ça fait très mal. Et là, du coup, bon bah j'ai changé de branchement et je divise la conso par 3, donc c'est quand même pas mal. AMD est nul en idle CPU. Je vois que j'ai pas fait attention non plus parce que je crois que je sais plus pour quelle raison le truc reste quasiment à fond en permanence. Mais ça c'est moi qui ai choisi le profil. Donc ouais, au final c'est ça, parce que vu que sur les Ryzen 7000 on a un micro GPU embarqué maintenant, j'ai branché l'écran secondaire sur l'IGPU et mon écran principal il est sur la carte graphique. Il est sur la 7900. Et ça marche bien. Ça marche bien. Globalement, j'ai pas à m'en plaindre. Le seul truc que j'ai eu là, c'est le début de semaine, et pour le coup, c'est Windows qui m'a foutu la grouille avec les pilotes. Je me suis retrouvé 2 jours d'affilée quand je démarrais, il me disait que le pilote n'était pas la bonne version, et c'était vrai, c'est-à-dire qu'en fait j'ai un pilote qui a été poussé par Windows, forcé par Windows Update, alors que j'avais des pilotes plus récents d'installer. YOLO, vas-y, ça écrase tout, c'est un joli. AMD sur les CPU en idle ne descend pas aussi bas qu'Intel. Ah, d'accord, ok. En charge, AMD consomme beaucoup moins. Oui, alors ça par contre, ouais, j'ai vu les chiffres des dernières révisions. Hein. Ah, les mecs, ils peuvent afficher des performances de fou, hein, mais alors quand on voit comment ça tape et comment ça chauffe... Oh. Puis alors, je sais pas pour la durée de vie des prosos, mais alors, ils sont faits, du coup, ils font des espèces de... C'est fait pour faire des bursts en permanence. Et ça, je sais pas si au niveau physique, avec la finesse des transistors, c'est fait pour durer longtemps, quoi. J'avoue que ça me fait vachement peur, cette histoire. Surtout qu'en plus, maintenant, le dernier Intel 14000... Ouais. Bah, en même temps, tiens, tu sais, celui-là, là, j'ai le 7800 X3D. J'utilise un système de water cooling aussi, mais les ventilateurs ils montent vachement vite en rythme, hein. C'est pareil, la température elle peut monter très vite, très rapidement. Et mais par contre au repos, alors là je peux dormir à côté de l'ordi quand il se passe rien, mais de temps en temps comme t'as Windows qui va te lancer une petite charge de tâches d'arrière-plan, d'un seul coup t'es en train... Tu fais rien et d'un seul coup t'entends les ventilos qui se mettent en route pendant quelques secondes. Ça fait un petit peu bizarre. Mais ouais, c'est... En même temps, les 14000, ils essayent de les pousser en burst à 6 GHz, je crois, quasiment. Enfin, c'est des furieux en termes de fréquence, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je sais plus, ouais, c'est quoi, les 14900K, c'est ça, le dernier ? Arc Product, attends, on va revenir sur sur L Bureau. Ouais, c'est ça, en point de 6 GHz. Sérieux? Les violents, quoi. Et en plus, comme ils sont sur leur truc d'architecture hybride, pour essayer de définir un profil... thermique, performance, avoir des chiffres consistants, etc. C'est quand même dingue. Hein. 300 watts. Ouais, bah en même temps, je suis sûr, si on regarde le... C'est quoi? C'est 7950 X3D chez... Comment? Alors déjà, bah on voit, hein, lui aussi, hein, la fréquence de boost, 5,7 GHz, hein, coucou. Mais effectivement, par contre, 120 watts. Alors après, bon, ça, c'est la fiche officielle. C'est qui, les gars, qui testent souvent? C'est Anantech, je crois. C'est ça, .com. Hop. 7950 X3D, hop, on va chercher. Tac, 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 review, fastest gaming processor, ouais, ok. Tac, 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 ça c'est les chiffres officiels. Ah, on a quand même un... Ils annoncent un 162 watts, c'est quoi ça? 230 watts, c'est quoi ce truc? C'est quoi le PPT déjà? Je sais plus. Ok, ok, est-ce qu'on peut voir les... Hop. Gaming performance, performance, power. Hop. Power, power. Ils sont montés à... Ouais, ils ont quand même tapé du 221 watts, hein, quand même. Hein. Toi, t'as quoi? Hardware Co. Et eux, ils testent avec... Hop. Est-ce bien raisonnable? Consommation. Consommation électrique au repos. Donc là, voyons... Ouais, putain, je suis... Vache. 96 watts, ça pique, hein. Punaise. Je fais partie des plus énervés. Il y a 40. Ouais, effectivement. On confirme que c'est mauvais. Et waouh! Ok, d'accord. D'accord, d'accord. Effectivement. C'est violent. C'est très très violent. Et ouais. Bon. Comment dire? Ah bah à ce niveau-là, même si c'est pas l'azote, faut sortir des trucs un peu plus énervés que du water cooling classique, quoi. C'est qu'il faut sortir les, faut sortir les climatiseurs. Déjà à commencer, quoi. Et ouais, du coup, c'est quoi? Ils mettent quoi? Efficacité énergétique à la prise. Alors, c'est quoi le calcul? On n'a pas le... Non, il n'y a pas de... Parce que du coup, ils disaient... ils donnent un chiffre, mais ils disent pas... Si, le plus élevé, le meilleur. D'accord, ok. 11, 12, ouais. Et en face, on a quoi? 17, 19, ah. Oui, oui, non, mais après, quand il parle de... Ouf. Ouais, bah oui, hein. C'est... Voilà, quoi. En globalement, en vrai, je m'en plains pas. Par contre, le combo change de PC plus certains plus souvent, j'ai senti la différence sur la facture, hein. Voilà, au dernier... Alors sans parler des augmentations des tarifs de l'électricité, ils m'ont passé le mensuel de 100 à 137 balles. Et sur le relevé de conso mensuel, quoique là, le mois de mars, j'ai réussi à être constant par rapport à l'année dernière. Et l'année dernière, j'avais pas encore ce PC-là, donc... Pas mal. Pas mal, pas mal. Ouais. Sur ce... Bon, bah, la semaine prochaine, on fera chauffer... Alors, pas forcément trop le proso, mais je pense que... On va tenter de faire chauffer la carte graphique avec... je sais comment ça s'appelle... Comment il s'appelle le logiciel? Et AI Quickset, c'est ça? C'est ça, c'est celui-là. Donc, ce petit logiciel Non, il ne s'agit pas de faire chauffer pour faire chauffer, j'ai déjà assez chaud comme ça quand je le fais tourner. Non, mais la semaine prochaine, j'ai envie de revenir à un truc un peu plus, on va dire, hors d'actualité, parce que même si ça fait chier tout le monde, c'est IA générative, mais cette fois avec un outil, voilà, qui est fait par ASRock, ce qui est suffisamment rare de la part d'un fabricant de matériel pour être souligné, et qui est justement fait pour faciliter la vie avec notamment l'utilisation. Donc ça supporte Windows, ça supporte Linux, et l'idée ça va être de tester tester des modèles qui permettent de faire. Manifestement on a quoi? Image Generation et Speech Recognition, d'accord. Donc ça veut dire qu'on va tester de parler au logiciel, ok. Mais donc voilà, c'est fait pour utiliser les cartes graphiques Radeon, Radeon 7000, donc ça peut être intéressant à voir, notamment parce que jusqu'à maintenant, tous les outils que j'ai pu tester, 99% du temps, ça dit que c'est universel, que ça supporte toutes les installations, et dès qu'on va s'intéresser aux cartes graphiques, on voit qu'il n'y a que Nvidia qui est supportée, c'est-à-dire que même pas Intel non plus. Alors que Intel a aussi des performances qui sont assez intéressantes. Autant en gaming, leurs cartes graphiques, elles sont pas dingues, mais autant sur de l'inférence pour les IA génératives, ça fait pas trop mal le boulot. Et en plus, les cartes graphiques, elles consomment pas beaucoup. Donc, le problème, c'est que les cartes graphiques Intel, elles sont bien, sauf pour jouer. En fait, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'outils, pas les modèles, hein. Il y a beaucoup d'outils Il y a beaucoup d'outils qui utilisent du PyTorch, mais qui l'ont validé que avec le mode CUDA de PyTorch. Alors que PyTorch, depuis longtemps maintenant, supporte aussi ROCm et c'est quoi le nom du truc? C'est pas OneAPI, je sais plus. Le truc chez Intel aussi. En gros, voilà, ça supporte les trois gros fabricants de cartes graphiques. Et en fait, il y a que Nvidia qui est validé à chaque fois, qui me casse les couilles. Ce que je peux comprendre. AMD a sorti un truc qui convertit. Ah oui, alors. Ça, j'ai halluciné. Ce truc là, je sais même pas pourquoi ils ont décidé finalement de le sortir un peu à l'arrache, c'est quand même un énorme aveu d'échec. Je sais plus le nom du truc qui était développé par un mec, ils ont payé un mec pendant 2 ans pour faire ça. Donc pour ceux qui savent pas de quoi on parle, CUDA c'est la bibliothèque référence que Nvidia a créé il y a maintenant très longtemps. Dès qu'on a commencé à parler de vouloir faire du calcul générique avec ses cartes graphiques, en fait Nvidia très très tôt ils ont dit ok, on peut faire autre chose que du calcul graphique avec nos cartes graphiques. À l'époque on parlait même pas de dédier des unités pour ça, en gros c'était vraiment très basique. Ils ont déjà commencé à utiliser, à proposer un framework donc, qui s'appelle CUDA, qui permet de vous définissez vos algos de calcul avec votre langage habituel, souvent c'est du C ou un truc comme ça. Ouais, oui, c'est ça, ça doit faire 15 ans, un truc comme ça. Et, mais c'est vous définissez, et après la bibliothèque va vous dire je vais exécuter ça sur le CPU ou le GPU ou les deux. Voilà. Et très très vite, du coup ça a été adopté parce que c'était très bien foutu. On va pas se mentir, hein, voilà. C'est-à-dire que il n'y a pas grand chose d'open source dans la carte graphique, mais ça en plus CUDA est quand même particulièrement bien branlé en termes d'open source, et les mecs ils ont fait que améliorer le truc avec le temps. Sans parler qu'ils ont amélioré leur matos et qu'ils ont fait en sorte de dédier en plus des unités, ce qu'on a appelé les coups d'accord, des unités de calcul pour Est-ce qu'il va marcher lui? Non, toujours pas. Si. Oh la vache. Ok. Donc ils ont commencé à introduire des unités de calcul, et puis là maintenant ils ont rajouté en plus derrière ce qu'ils ont appelé les quoi, c'est les RT Core. Donc derrière, c'est quoi, c'est du, non, c'est pas du Tensor, c'est du, c'est de l'unité maison. Dans les cartes un peu plus récentes, et du coup c'est devenu la bibliothèque de référence pour faire du calcul monstrueux parallélisé sur de la carte graphique. Et donc AMD, bah, ils se sont réveillés il y a quelques années, en 2007, ouais, ça me surprend pas, hein. Ça me surprend pas, ouais, effectivement, hein. Et ça a commencé... ouais, je sais pas. Quand est-ce que, du coup, ça a commencé avec quel matos? En 2007, on était sur du... C'était sur du Tesla. Tesla, c'était quoi comme carte graphique? GeForce. C'était sur les GeForce 8, GeForce 9. D'accord. Putain, la vache. Et après, sur les GeForce 100, on a eu des... C'est surtout les 200 qu'on a eu après. D'accord. Ok. Ouais. Donc déjà, sur certaines GeForce 8 et GeForce 9. Ah oui, donc ça... Ok. Oui, non, merci. Je me suis encore rendu compte à quel point la grisaille progressait au niveau du peu de cheveux qui me reste. Oui, effectivement. Mais donc oui, pour... et du coup, AMD commence à rattraper le retard. Alors ce qui est dingue aussi, c'est que Nvidia supporte toutes leurs cartes graphiques avec ça. Bon, à partir du moment où ça a peut-être un peu de sens, parce que forcément, les cartes d'entrée de gamme, genre les GTX 1030, etc., c'est tellement moisi pour tout que c'est pas la peine d'essayer, ça sert à rien. Même un processeur ira encore plus vite. Par contre, AMD, au départ, c'était coucou, que nos cartes graphiques pro et que les hauts de gamme, hein, parce que faudrait surtout pas que vous payiez du matos... faudrait surtout pas que vous économisiez de l'argent, c'est que le matos le plus élevé. Et en plus, même avec ça, et même quand on supportait leurs frameworks, les performances n'étaient pas dingues. Et donc pour en revenir au truc de départ, ils ont payé un mec pendant 2 ans qui s'est amusé à créer une espèce de wrapper où vous exécutez votre code CUDA directement sur les cartes graphiques AMD avec un convertisseur qui fait la traduction entre les deux. Et là où c'est super dingue, c'est que ça a été testé avec sur des logiciels type... c'est quoi? C'est Blender, je crois, où ils ont testé. Donc Blender, qui est un logiciel de conception 3D, qui peut utiliser les unités de calcul, notamment pour des animations de textures, des trucs de moteur physique, etc. Et en fait, l'utilisation des technos Nvidia, enfin en tout cas en passant par CUDA, était plus rapide avec le convertisseur qu'en passant par le mode natif de AMD. Donc ce qu'ils appellent ROCm, donc ce ROC, je sais plus ce que c'est, Radeon, Open Compute, c'est ça, il me semble, hein. Et donc c'est hallucinant, en fait. On se demande comment ou pourquoi un wrapper est capable de fournir de produire quelque chose qui est encore plus performant que si on utilisait la bibliothèque directement nativement. C'est quand même assez... Alors soit c'est on va dire la pré-compilation CUDA qui est beaucoup plus efficace que si on passait directement de l'application au code AMD. Je sais pas, ou alors la doc de la bibliothèque d'AMD est tellement moisie que les développeurs n'arrivent pas à... Bah ça marche, moi je l'ai déjà utilisé avec, alors pas avec mon nouveau PC, mais avec le précédent, ça fonctionne, hein. Ça fonctionne, mais c'est lent enfin en tout cas moi c'était lent du cul, mais en même temps j'avais qu'une carte graphique de milieu de gamme, là avec la 7900, normalement on devrait être sur quelque chose d'un peu plus qualitatif, on va dire ça comme ça. Mais oui, mais en fait, bah, c'est pas facile de pas le faire fonctionner, parce qu'en fait, ben, ils ont rajouté, alors ça c'est Wikipédia, mais quand on va dans la doc, Le problème, c'est que quand on regarde les system requirements, bon, alors les Windows, ça, on s'en fout, ça va, c'est pas un souci, mais c'est Radeon Pro, Radeon Pro, Radeon Pro, Radeon Pro, Radeon Pro, Radeon Pro. Voilà. Et en fait, si on va dans les Radeon, alors ça va un peu mieux, mais on n'est que sur les deux dernières générations de Radeon. Les Radeon 6000 qui, malgré certaines qualités, et notamment, bah déjà quand elles ont été dispo, parce qu'elles sont sorties, pile poil pendant le Covid, et du coup elles ont quand même un peu souffert de la concurrence d'AMD, mais il y avait des capacités qui étaient... Mais on voit par exemple que la partie SDK, c'est pas pour tout le monde, hein. Et donc là, typiquement, si vous êtes sur du milieu de gamme, ici, bah vous n'y avez pas accès. Vous n'avez pas accès à tout. Alors que chez Nvidia, toutes les cartes graphiques, même de milieu de gamme, elles sont encore supportées, quoi. Et bah, j'imagine bien, à un moment donné, il y a certains types de calculs, il faut quand même un minimum de RAM, il faut quand même un minimum d'unités de calcul pour que ça ait un intérêt par rapport à un CPU. Mais comment ? Mais là, c'est quand même assez flagrant. Alors, ce qui est surprenant, là, pour le coup, honnêtement, là, sur le RDNA3, c'est pas surprenant que même les 7600 soient supportés, parce que même les 7600, elles ont des unités de calcul générique dédiées qui permettent, qui sont pilotables facilement par le SDK, mais il a fallu arriver au RDNA3. Donc, on a quand même 3 générations de RDNA dans les dents, et la deuxième c'était à moitié, et pour avoir le mode HIP, il faut vraiment être sur un truc ultra récent ou haut de gamme de la génération précédente. En termes de couverture de matériel, on est quand même beaucoup plus bas, puis bon bah après voilà, ça reste malheureusement un framework qui est pas au même niveau que Nvidia, quoi. Et donc, alors ça les empêche pas manifestement de gagner de plus en plus d'argent avec ça, parce que c'est quand c'est au dernier trimestre, la patronne, elle se gargarisait du fait que les commandes, alors on les a pas là, hein, parce que là on parle de carte graphique, mais c'est les, c'est quoi, c'est MI300, c'est ça? Radeon Instinct M300, un truc dans le genre. Voilà, ce qu'ils appellent les accélérateurs. Bon, eux, c'est vraiment orienté, enfin, ils les orientent vraiment IA pour le coup. Et alors ça, essayez pas d'en acheter, hein. Vous n'êtes pas la cible. Vous êtes clairement pas la cible. Donc... Alors c'est marrant parce que là, il se compare au H100. Et c'est quoi les noms des nouveaux qui ont été annoncés par... Je me souviens plus. Ouais, c'est... Alors ça c'est Hopper, mais... Blackwell, voilà, H200. Ah, ceux-là. Là, ceux-là. Comment dire qu'ils font mal? J'ai vu les chiffres. Ah, en gros, c'est pas compliqué. Je crois que c'est 2 ou 3 fois le truc là. Et là, c'est... Là, on est sur des chiffres qui sont vraiment qui sont grotesques en fait. Ce qui est aussi tout grotesque, c'est la consommation énergétique de ces trucs-là, malgré tout. Oui, oui, non, mais c'est... J'ai eu un mini débat là-dessus, où d'ailleurs... Avec David Legrand sur Twitter qui voulait pas comprendre qu'il fallait qu'on arrête d'augmenter la consommation absolue. C'est pas parce que le matériel était efficace que qu'il fallait s'en contenter en fait. Et ça c'est juste que parce que enfin il n'y a personne pour les empêcher de le faire. Et ils gagnent tellement de pognon avec qu'ils se disent qu'ils ont intérêt à le faire. Et ça, malheureusement... Oui, tout à fait, il y a de grandes chances. Il y a de grandes chances que ce soit via un de tes tweets. Et comme je dis toujours, hein, moi je me souviens de la... Bah, on parlait tout à l'heure des vieux... Des premières générations de... donc c'était Tesla, l'architecture, les GeForce 900. Quand les GeForce 900 sont sortis... C'était une énorme contrainte pour Nvidia, et AMD était à peu près dans la même sauce aussi, hein, parce qu'il y avait une espèce de... C'était un blocage sur les finesses de gravure qui étaient disponibles à l'époque. Et en gros, bon là on parle de... C'est quoi? C'est genre 3-4 nanomètres en termes d'architecture, machin, etc. En termes de finesse de gravure, à l'époque on était sur du 28 nanomètres. Et en fait, ils sont restés bloqués là-dessus pendant, je sais plus, quasiment 3 ans, ou un truc dans le genre. Hein. Ouais, 28 nanos. Et du coup, entre les GeForce 700 et les GeForce 900, Nvidia a réussi le tour de force de proposer une architecture où on se prenait un truc comme 20 ou 25% de performance en plus, pour une consommation qui descendait alors qu'ils étaient sur la même finesse de gravure. Donc ils avaient réussi à faire une architecture qui non seulement augmentait les performances, mais qui n'augmentait pas la consommation. Et ça, ben on va pas se mentir, hein, mais ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, parce que à chaque fois qu'ils nous sortent une nouvelle génération de matériel où ils nous disent « Oui, c'est bon, on va finesse de gravure, on va consommer moins », et dans la pratique, bon bah... au mieux, ils consomment autant... Et sinon, la consommation, elle continue d'augmenter. Alors même qu'ils n'arrêtent pas de dire qu'on va faire toujours plus fin pour consommer moins. Et sauf que c'est toujours pas le cas. Et donc c'est pour ça que ça fait maintenant depuis 15 ans qu'on se tape des smartphones qui ne durent pas plus d'une journée en termes de batterie. Parce qu'ils continuent de faire cet équilibre en disant on va consommer plus. Parce que derrière, on va essayer de consommer autant, voire plus, un peu plus, parce que derrière, en plus, le truc, c'est que la batterie, elle augmente aussi. Donc derrière, il y a une... entre les batteries de l'époque et les batteries de maintenant, on a dû faire un x4, x4,5 sur les capacités de batterie, et pourtant, on tient toujours une journée en batterie. Voilà. Parce qu'on continue de vouloir augmenter les performances à chaque génération, alors qu'on n'en a pas forcément besoin. Et voilà. Ouais, alors ça, c'est l'effet inverse, ouais. Ça c'est l'effet inverse. Bah, c'est pareil, là pour le coup c'était en plus c'était un très mauvais choix de... Ils ont... Pour moi les press codes c'était le... la révision de Pentium 4 qu'il fallait pas faire. Et bon ça malheureusement ils avaient pas encore bossé sur le... Ils étaient en train de bosser en parallèle sur le corps de duo et c'était loin d'être prêt à l'époque. Ouais ouais le barbecue c'était un truc de ouf. Mais donc oui voilà c'est comme ça que vous vous retrouvez avec enfin j'ai voyez typiquement c'est Milo Maker si vous connaissez pas sur YouTube Milo Maker il a expliqué pourquoi il ferait pas de PlayStation 5 portable. Il vient de terminer un projet qui est déjà complètement délirant qui s'appelle une Xbox 360 portable en réussissant à faire tenir un truc qui consommait, je sais plus c'était combien, 70 watts, un truc dans le genre à peu près. Donc déjà, réussir à faire tenir un truc qui consomme 70 watts dans un modèle portable qui tienne relativement, on va dire, allez, 2 heures et demie de batterie, un truc comme ça, je crois, c'est déjà un exploit monumental. Et sauf que bah, la PlayStation 5, c'est 220 watts de consommation. 220 watts. Alors je sais bien que oui, ça fait beaucoup plus que ce que faisait la PlayStation, mais enfin que ce que faisait la Xbox 360, mais la Xbox 360, elle est sortie en 2005. On est en 2024, il y a 19 ans d'écart entre les deux, et on n'a pas trouvé moyen de faire quelque chose qui est capable de faire très performant en consommant moins. Le Power PC pas économe, bah, honnêtement pour l'époque ça allait. En ce sens-là, il était quand même plus économe qu'un Cell. Là pour le coup Sony ils avaient pris cher aussi les pauvres, mais je sais même plus comment il s'appelle bien. D'ailleurs pour la petite histoire, la Xbox 360, le GPU c'était un GPU AMD d'ailleurs. Ah non non, je dis des conneries. Si, il me semble que c'était un GPU AMD. Et il y avait un GPU Nvidia dans le dans la PlayStation 3. Bah, PS3, Xbox 360, c'était du PowerPC, mais d'un côté, t'avais sur le PowerPC, je ne sais plus, attends, Xbox 360, on va regarder vite fait, mais après, il faut que j'aille, j'ai mal aux yeux. Tac, développement, lancement, pouf, non, machin, extension, modèle, caractéristiques, tac, Power PC, donc c'était 3 cœurs. 3 cœurs Power PC sur le... comment ? Tiens, non ? Tu vois, c'était ATI encore, c'était pas AMD, c'était avant qu'ils se soient rachetés. C'était... Sur la première Xbox, c'était une Nvidia. La première Xbox, c'était Pentium 3 plus Nvidia. Techniquement, c'était un PC bricolé, hein, on va pas se mentir. Le live de vieux. Ah bah en même temps, on n'est que deux et on n'a pas 20 ans. Hein. On n'a plus 20 ans. Mentalement peut-être, mais physiquement, voilà, on a quand même connu tout ça. La PlayStation 2, je sais plus, c'était un truc vraiment bizarre. La PlayStation 3, par contre, c'était du Cell, donc c'était du PowerPC aussi, mais c'était une architecture... c'était 1 + 7, c'est-à-dire qu'il y avait un cœur central qui avait toutes les fonctions de pilotage et 7 cœurs autour qui étaient plus simples. Et sauf que ça a été un enfer à programmer ce truc-là, c'est pour ça que il a fallu vraiment beaucoup d'années pour que les jeux soient vraiment intéressants sur la PlayStation 3, parce que les développeurs, ils ont mis un temps de dingue à réussir à maîtriser l'architecture. Alors que de l'autre côté, sur la Xbox 360, ça roulait tout seul. Hein. Ça roulait tout seul. Et donc c'était bien un GPU AMD. Mais donc oui, là... Ouais, bah oui, bah en même temps, mais c'est pareil, les Motion Engine, c'était une connerie. À l'époque, je me souviens, ils avaient fait... ils parlaient d'un 128 bits. Attention, c'était dans les trucs commerciaux, c'était ça. Et là, c'est pareil, ils ont pris ultra cher. Alors, par contre, celui-là, c'est du risque bidirectionnel, d'accord, à tes souhaits. Implémente du MIPS, d'accord. Ok. Ah oui, et du coup, ça faisait tout. D'accord. Ça gérait aussi les... Ça gérait à la fois la partie... D'accord. Il n'y avait pas de... Il y avait une unité de traitement vectoriel, d'accord, ouais. Des fautes de... Dans ta collection, des fois, tu sais, tu planques ça dans ton grenier, puis tu y vas une fois de temps en temps pour faire en mode archéologie ou découverte à la Indiana Jones. Oh, hop, avec ton petit pinceau pour épouster le processeur. Regardez, c'est un sel. Regardez, c'est un Emotion Engine. Putain, mais ça consommait 15 watts quand même. Hein. Alors c'est là que c'est ouf aussi. Hein. C'est qu'à l'époque, il balançait 1,8 V là-dedans. Maintenant, il balance 1 V. Le bordel consomme 220 watts. C'est... Là, on est vraiment sur un délire. On est vraiment sur un délire. Et quand on commence à entendre parler là, des nouvelles générations de consoles, hein, on entend parler de PS5 Pro. Ok, ouais, pourquoi pas. Quand je vois déjà la taille de ma PlayStation 5, c'est réellement un monstre. Ouais. Je sais pas où on va avec tout ça, mais alors vraiment ça fait moyennement envie. Et tout ça en plus pour faire de l'IA où on n'est même pas sûr que ça va dans le bon sens non plus. Alors ceci dit, le fait est que la recherche avance pour essayer d'avoir des algorithmes qui sont au moins aussi performants d'un point de vue résultat de calcul, mais aussi plus performants et plus économes, plus efficaces en termes de consommation. J'ai pas encore vu de retour sur les performances que peuvent avoir. Ils ont commencé à intégrer des unités qu'ils appellent NPU, dans des noms d'aînés, donc Neural Processing Unit, hein, comprendre des unités de calcul IA. Ouais, mais si on essayait d'arrêter de vouloir les faire tourner plus vite, ou alors de vouloir en mettre encore beaucoup plus, sous prétexte que c'est plus petit. Et on en revient au même problème, c'est-à-dire qu'on crée de nouvelles architectures tous les ans. Et on change de finesse de gravure tous les ans. On n'a même pas le temps de capitaliser sur la technologie de gravure qu'on a, sachant qu'on parle de plateformes qui coûtent 10 milliards de dollars à chaque fois, hein, d'outillage de gravure. Donc... chaque année, on change de nouvelle... On a une nouvelle technologie, machin, etc. Et on veut pas s'arrêter. On veut en faire toujours plus. Alors qu'on sait qu'il suffit de laisser 2 ans à un truc qui ne bouge pas. Oui, non, je sais, mais le fait est qu'ils cherchent quand même de toute façon à graver plus petit. Dans la pratique, c'est même si les chiffres sont pas... quand ils annoncent du 2 nano, c'est pas du 2 nano. Même le 3 nano, c'est pas du 3 nano. Quand Intel te dit 18A, l'angstrom, donc c'est censé être en dessous le nano. Non, en fait, c'est pas ça. Mais non, mais la loi de Moore, c'était qui Moore? C'était le patron d'Intel. Il avait intérêt à dire que les trucs allaient augmenter tous les ans pour forcer les gens à en racheter. Comme ça, lui, sa boîte continuait de faire du pognon. Mais il n'y a aucune... Enfin, c'est un non-sens, en fait. C'est un non-sens. Il suffit de laisser du temps. Il suffit de laisser Tu bloques 2-3 ans sur le même matos et tu vois que les développeurs vont se sortir les doigts du cul pour que ça marche mieux sans toucher au matos. Il faut mettre des contraintes aux gens pour qu'ils se réveillent. On en revient à Nvidia. Nvidia, ils étaient bloqués sur le 28 nano, ils ont quand même réussi à faire en sorte de baisser la conso et d'augmenter les performances. Voilà. Ça a été possible. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas changer de finesse de gravure. Donc à un moment donné, il faudrait qu'on arrête ça et qu'on prenne le temps de capitaliser sur ce qu'on fabrique. Bah oui et non, parce que ça, une couche d'abstraction, ça peut s'améliorer aussi. Une couche d'abstraction, ça s'améliore aussi. C'est pas incompatible non plus. Mais le problème, c'est que plutôt que donner du temps aux développeurs pour améliorer les choses, on leur donne du matériel qui font qu'ils n'ont pas besoin de se prendre la tête à améliorer, puisque c'est le matériel qui améliore pour eux, entre guillemets. Ça, c'est pas bon, hein. C'est pas bon. Et putain, non, ça a pas tenu. Hein. Ouais, mais je crois que je vais aller me coucher comme l'ordinateur portable parce qu'il en peut plus aussi, lui. Bon, sur ce... Tu voulais passer en speed et on vient de causer pendant une demi-heure. C'est terrible. Ah. Mais... Hop. Donc voilà, tout ça pour dire que quand même, tu viens pas au hack. Honnêtement, ce sera fin juin. J'ai beau avoir pris mon billet, je te cache pas que... Comment dire? Je sais pas comment ça va se passer. Surtout quand t'as un... quand tu commences déjà à entendre des bruits comme quoi ils vont commencer à verrouiller des trucs dès le mois de mai. On va pas dire que j'ai peur, mais j'ai un peu peur. Je me demande si je vais pas regarder pour... Carrément pour prendre une chambre sur place pour pas avoir à me taper l'aller-retour tous les jours parce que ça va être la merde. Et rentrer chez moi à la cool. Parce que clairement je le ferai pas en bagnole. Il y a une année... alors c'était pas le hack je crois que j'avais fait, mais c'était... je sais plus si c'était pas une Ubuntu party, je crois, ou un truc comme ça qui était pris... qui était sur 2 jours. Et... un truc dans le genre, et du coup j'avais pris une chambre d'hôtel. Ouais, c'est ça, c'était une Ubuntu party, je crois. Et il y avait... ouais, il y avait un BNB hôtel aussi. Mais je note le nom du remix, je commence à regarder ça, parce que j'avoue que... L'année dernière, j'ai fait l'aller-retour, j'ai fait 2 fois l'aller-retour, mais là, cette année, avec tout le bordel autour de la préparation des JO, ça va être terrible. Voilà, sur ce, merci beaucoup d'être passé. Donc, comme je disais tout à l'heure, le replay demain, je sais pas à quelle heure, mais demain, sur YouTube, et donc la semaine prochaine... Si j'ai pas un autre truc à faire, intelligence artificielle avec l'outil de ASRock pour voir un peu comment ça marche et ce qu'on serait capable de faire avec. Voilà. Sur ce, bonne nuit, passez un bon week-end et à vendredi prochain. Ciao. C'est où le bouton? C'est là, je sais plus.